Québec a besoin de plus de solidaires. Certains nous traitent encore d'idéalistes, mais la vérité, c'est que nous sommes les seuls partis qui mettent l'avant des véritables idées progressistes pour le Québec. Un Québec solidaire est en marche. Il ne faut pas lâcher, surtout pas maintenant. La fondation d'un pays, ça commence par l'intégrité de son territoire. Cet immense et beau territoire dont nous avons la co-responsabilité de prendre soin avec les peuples des Premières Nations qui l'habitent depuis bien avant notre arrivée. L'indépendance, c'est prendre le contrôle de nos ressources naturelles et arrêter de les liquider à rabais aux grandes entreprises. Une économie verte et garante de notre souveraineté. Québec solidaire est aujourd'hui le seul parti qui prend les changements climatiques au sérieux, le seul parti qui a l'ambition et l'audace de mettre tout en œuvre pour sortir le Québec de sa dépendance au pétrole en 15 ans. Nous avons un parti qui a des propositions. Des propositions, oui, qui font rêver, mais des propositions en même temps qui répondent aux problèmes des gens. Qui sont capables de dire aux gens « Oui, votre vie quotidienne, elle peut s'améliorer. Oui, c'est possible. » Le Québec ne sera libre et juste que quand tout le monde pourra vivre dans la dignité. À Québec solidaire, on dit non à l'appauvrissement. On dit non aux compressions massives dans les programmes sociaux. On dit non au prix exorbitant des médicaments. Non aux interminables heures d'attente aux urgences. Si nous avons collectivement le courage, et je sais que le Québec en a, si nous avons collectivement le courage d'affronter ces lobbies des gros, des puissants qui se croient tout permis, et oui, le mot « peuple » est un mot qu'il faut réhabiliter, le peuple du Québec mérite mieux que ce qu'il a en ce moment. Le peuple du Québec mérite la solidarité, la justice, l'écologie et l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il mérite, le Québec? Le Québec mérite Québec solidaire!